Nathalie Nader-Grosbois, bonjour. Vous êtes psychologue du développement, vous êtes professeure à l'Université catholique de Louvain et vous venez d'intégrer l'Académie royale de Belgique dans sa classe des lettres, des sciences morales et politiques. Votre spécialité, c'est plutôt la petite enfance et plus particulièrement les enfants qui présentent des troubles du développement. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous allons parler un peu du rapport entre la crise et le développement de ces tout jeunes enfants. Je vous remercie, et c'est avec plaisir en tout cas que je vais partager quelques éléments d'expertise sur différentes thématiques de la petite enfance avec vous. Alors abordons le programme, je dirais, de cet entretien en se demandant comment le bébé développe-t-il la reconnaissance des visages maternels, paternels et de tous les adultes qui l'entourent. En fait, dès la naissance, le bébé est réellement intéressé et regarde plutôt les objets de forme arrondie et surtout qui bougent. Et donc le bébé préfère nettement regarder du coup un visage qui présente des courbes puisqu'il a une forme ovale et en plus les visages en mouvement sont vraiment très attractifs pour lui. Alors, il est plus attiré également par le visage familier de la mère plutôt que par d'autres visages. Et il est plus attiré par les visages par rapport à d'autres objets. Alors, il y a plusieurs études qui ont constaté qu'au cours déjà des premiers jours et surtout des premières semaines, le bébé, en fait, manifeste la préférence pour le visage de sa mère par rapport au visage d'une personne étrangère. Alors, on peut par exemple lui présenter deux visages, alors soit en réalité, soit sur vidéo. Alors, celui de sa mère, celui d'une personne étrangère, et qui présente la même couleur de cheveux, et qui présente aussi une coupe similaire, mais dont le visage reste neutre. Et donc, qui ne bouge pas et qui ne parle pas. Et donc là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les jeunes nourrissons regardent plus longtemps leur mère que la personne étrangère. Et donc, on peut se dire que cela témoigne de l'émergence de la reconnaissance du visage familier de la mère lorsqu'ils voient l'ensemble du visage. Mais par contre, lorsque on camoufle en fait le dessus du visage et donc la tête, les cheveux qui sont camouflés notamment par un bonnet noir, à ce moment-là, le nourrisson va accorder par contre le même temps de regard entre le visage de sa mère et le visage d'une personne étrangère. Donc on peut en déduire que le contour du visage et des cheveux aide réellement le nourrisson à distinguer le visage de sa mère par rapport à une autre personne. Et c'est surtout vers 6 ou 8 semaines que le bébé va montrer des signes de reconnaissance du visage de la mère, même lorsqu'on masque une partie du contour de la tête, quelle qu'elle soit. Donc on observe en outre que cette émergence de reconnaissance de visage de la mère est clairement favorisée par la voix de sa mère, mais aussi son odeur. Donc, le fait aussi qu'on peut s'interroger, est-ce que la reconnaissance du visage du père se fait de façon similaire? Et en fait, on s'aperçoit que les études n'aboutissent pas d'emblée à des constatations tout à fait analogues, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de variabilité dans le temps consacré par les papas, par les pères, dans les tout premiers jours, dans les tout premières semaines. Et donc, ça peut influer sur l'expérience du bébé à observer le visage du père. Mais par ailleurs, si les papas interagissent très précocement, très régulièrement avec leur bébé, on peut s'apercevoir que la reconnaissance du visage paternel vient très rapidement. Et donc, il y a un autre élément clé que les études nous fournissent, c'est que lors des premiers jours à la maternité, et même quand on rentre à la maison, en fait,
le nourrisson va voir les visages des personnes qui prennent soin de lui, qui le visitent. Alors on estime a priori que ça pourrait être entre 10 et 15 visages habituellement. Et en fait, l'observation plus régulière des personnes qui vont l'entourer, qu'il va regarder dans ses premières, dans ses premiers jours, premiers instants, en fait, ça va créer en fait une sorte de prototype du visage humain et qui va lui servir ensuite de référence pour pouvoir comparer les visages auxquels il va être confronté, et il va ainsi apprécier une certaine attractivité de certains visages par rapport à d'autres. Alors ça, je trouve que c'est aussi important, hein, de visiter en fait les tout jeunes enfants. Donc le tout jeune enfant découvre peu à peu la différence entre ses parents, les personnes familières, ses proches et des personnes non familières par l'observation de leur visage, l'écoute de leur voix, et cela au-delà des perceptions olfactives ou du contact physique qu'ils procurent. Un autre élément quand même aussi à avoir en tête, c'est qu'il y a une transition vers l'âge de 7-8 mois qui s'observe dans les comportements des bébés à l'égard des personnes qu'elles lui sont familières ou étrangères, si on peut dire. Alors on peut voir qu'il peut manifester de la peur, de la crainte lorsqu'il est face à une personne qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est grâce au fait qu'il a bien différencié la façon dont les personnes présentent leur visage. Alors, on comprend bien le traitement socio-perceptif des bébés pour identifier, reconnaître et différencier, comme vous venez de le dire, les visages de ses proches. Mais dès lors, quel peut bien être l'impact du port du masque dans une situation où tout le monde évolue masqué pour cet enfant? Alors, on peut imaginer que, clairement, que la reconnaissance, la différenciation entre des visages d'une personne familière par rapport au visage d'autres personnes, ainsi que cette création d'une sorte de prototype, hein, des visages humains qui seraient plus attractifs, en fait, ça se réalise de façon moins aisée, hein, que par rapport à des personnes qui portent le masque. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Le bébé peut être surpris lorsque ses parents portent le masque, hein, s'ils sont en contact avec d'autres personnes. Cela peut aussi induire un certain inconfort. Il a besoin d'être rassuré, et cela par la voix, par les gestes. Le contact oculaire peut aider, et aussi le contact physique avec ses parents. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a un facteur tel que la distanciation sociale, la limitation des contacts sociaux qui est imposée par les mesures sanitaires que l'on propose. En fait, on s'aperçoit que les rencontres entre le bébé et les autres membres de la famille que ses parents ou bien des amis proches s'avèrent très restreintes, voire quasi absentes dans certains cas. Alors, on peut aussi en déduire que cela réduit les opportunités et les expériences du bébé pour exercer cette reconnaissance, cette différenciation des visages, ainsi que des voix, des personnes familières par rapport à d'autres personnes. Alors comment pourrait-on favoriser d'une certaine manière cette reconnaissance par le bébé des visages de ses familiers, je veux dire? Alors, c'est vrai que c'est vraiment important que la maman et le papa se mettent très régulièrement en face à face pour que le bébé voit clairement bien leur visage. Ils peuvent hocher lentement, varier les mouvements de la tête, hein, tout en lui parlant, en le regardant dans les yeux. Cela peut être fait lors des soins de change, du bain ou même dans différents contextes d'interaction quotidienne. Et donc, afin que le bébé puisse vraiment bénéficier de l'observation de l'ensemble des visages, en fait, les adultes proches, que ce soit les grands-parents, les oncles, les tantes, les donneurs de soins, dont les puéricultrices ou les gardiennes,
ces personnes peuvent porter un masque en partiellement transparent ou bien une visière. Et en fait, on s'aperçoit que des masques qui ont une certaine transparence, lorsqu'on les utilise face à des enfants qui ont une surdité, ça facilite quand même la lecture sur les lèvres. Et donc, ils bénéficient comme cela de la bouche. Donc on peut aussi se dire qu'une visière peut atténuer moins la voix des personnes, ce qui peut aussi faciliter cette association dont on a parlé tout à l'heure entre le visage et la voix des personnes et qui peut faciliter la reconnaissance des personnes familières par contraste aux autres. Alors on peut aussi, les adultes référents dans les différents contextes peuvent aussi, même s'ils portent le masque, avoir une espèce de petit signe distinctif, une petite indication qui est offerte à l'enfant, de façon à ce qu'il puisse distinguer finalement les personnes de son environnement social familier. Donc l'observation là, des visages des autres enfants en famille aussi, ils sont en milieu de garde, que ce soit en crèche ou ailleurs. En fait, ça reste un réel atout pour le bébé, pour exercer sa différenciation des visages. Donc ce n'est pas seulement les adultes dont il observe le visage. Donc les parents et les professionnels de la petite enfance, par conséquent, peuvent également inciter à des interactions face à face entre les tout jeunes enfants et la fratrie, les autres enfants, pour varier ces opportunités de comparaison des visages et de voix différentes.